So Tremel Hudson, who is standing here, he's taking things apart. Don't worry. Tremel Hudson ici, il disassemble des trucs. Pas maintenant sur le stage, mais il va nous expliquer comment travaillent les hardware implants, les trucs qu'on a déjà entendu parler dans Bloomberg. On a déjà entendu parler des super ordinateurs, des supercomputers avec des implants. Vos applaudissements pour Tremel Hudson. Donc, avant de commencer sur les implants hardware, deux disclaimers. Le premier de mon employeur. Donc, comme sur les barres de chocolat, c'est pas un avis d'investissement. Et de deux, en fait, je ne sais pas quelle est l'histoire derrière l'histoire de Supermicro. Bon, il y a quand même des sources. Mais j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir aux implants hardware, à commencer avec l'attaque VenderScore contre les firmware des Apple, des MacBook. Et la suite, qui écrivait directement le firmware des MacBook. Et j'ai aussi pensé à la défense contre les implants hardware pour avoir des laptops légèrement plus sécures. Et aussi dans le cadre de mon projet sur le boot Linux, j'ai réfléchi à comment protéger les serveurs contre les attaques software, matériel et logiciel. Donc, avec tout ça, je me suis concentré sur les attaques sur le firmware et ce genre de choses. Et du coup, l'histoire de Bloomberg en octobre m'a excité. Et le truc sympathique, c'est l'image animée dans l'en-tête qui montre l'endroit sur la board où est l'implant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement où moi j'en installerai un sur le bus Spy. Il y a beaucoup d'autres gens dans la communauté de la sécurité hardware et software qui ont dit que c'était plausible. D'autres personnes ont dit que les attaques sur la supply chain étaient définitivement quelque chose dont il fallait se soucier. Quelqu'un a dit que l'attaque telle qu'elle était décrite était totalement implausible. Et en gros, on a un moment « what the fuck ?». Tout le monde essaie de déterminer s'il se passe un truc à l'intérieur de sa machine. Donc, si on prend un peu de recul et qu'on examine les allégations clés. Ils ont dit que les testeurs de chez Amazon avaient trouvé un petit circuit dans la board qui n'était pas dans le design et qui avait été déguisé pour ressembler à un coupleur de conditionnement de signal et que ces puces illicites étaient connectées au BMC, au contrôleur de management de la carte mère, ce qui leur permet d'avoir accès même à des machines éteintes. Et c'est en fait ce à quoi sert le BMC, démarre les machines. Dans la plupart des serveurs, le BMC est allumé à chaque fois que le serveur est connecté à l'électricité. Et donc il peut allumer et éteindre la machine. Et en général, on a envie de pouvoir faire ça sur le réseau. Donc il a sa propre interface réseau et il peut aussi partager l'interface réseau avec le système principal. Il y a aussi un port série sur le réseau local qui est utilisé souvent pour débugger les systèmes. Et il y a aussi une émulation de volume USB qui permet de faire des installations, des mises à jour d'OS à distance. On a souvent un KVM à distance, donc un port VGA. Et ce chip est sur le bus PCI, du coup il peut faire de l'accès mémoire direct dans la carte réseau. Et c'est très souvent branché sur le bus Spy du firmware, donc il peut modifier le firmware. Et sur certains systèmes, c'est même branché au TPM, donc au module de calcul protégé, ce qui permettrait d'override la racine de sécurité. C'est vraiment dommage, vu tout ça, qu'il ne soit pas correctement implémenté. Un chercheur en sécurité dit qu'il n'y a pas de protection, de détection ou de récupération des attaques sur ce genre de chip. Donc,
Le fait d'avoir un implant matériel dans le BMC est vraiment quelque chose auquel il faut s'inquiéter. Donc un autre postulat qui est fait, c'est que ça a affecté 30 entreprises, dont Apple. Et Bloomberg indique qu'Apple aurait trouvé indépendamment ces chips sur des cartes mères de chez Supermicro et qu'ils auraient coupé par la suite les ponts avec Supermicro. Donc ce postulat en particulier est assez intéressant parce qu'il collabore un article de début 2017 comme quoi Apple avait enlevé les serveurs Supermicro de leur data center. Donc Apple a nié les faits quant au fait que ce soit un problème de firmware, mais c'est intéressant à garder ça à l'esprit. Et le troisième point, c'est que dans un cas, les puces malveillantes ont été mises entre les couches du circuit imprimé. Et ça aurait été fait par des opérateurs chez le fabricant, pendant la fabrication, et de l'armée chinoise. Donc avec autant de postulats et toutes ces allégations, on espérerait que les sources soient correctes. Et d'après Bloomberg, il y a 17 sources indépendantes qui sont citées, enfin qui sont anonymes, dont 6 de sécurité nationale, 2 personnes chez Amazon et 3 insiders seniors chez Apple. Donc les sources ont l'air solides, sauf que dès que l'article a été publié, tout le monde a nié. Amazon a dit qu'il n'avait jamais trouvé aucun problème par rapport à du matériel modifié. Et Apple était encore plus brutal. Tim Cook a dit que ça ne s'était pas passé, qu'il n'y avait aucune vérité là-dedans. Donc Supermicro a répondu dans une lettre assez longue sur comment ils protègent leur chaîne de fournisseurs et pourquoi ils pensent qu'il n'y a pas eu d'attaque. Et c'est intéressant de regarder certaines choses qu'ils disent faire pour protéger leur supply chain. Donc, notamment, s'il y a une altération physique non autorisée pendant la fabrication, d'autres éléments du design ne seraient pas adaptés. Donc, pour comprendre comment on fait des circuits intégrés, depuis que j'ai visité une fabrique de PCB en Chine, ou notamment Supermicro Fabrique, petite photo de vacances. Donc pour ajouter des vias, il faut qu'ils modifient le plan de découpe et les plans d'électroplaquage. Donc il faudrait qu'ils modifient le masquage et qu'ils modifient l'etching, la manière dont c'est raboté. Et chaque tentative de modifier ça serait vu lors de l'inspection optique qui est faite sur chaque circuit imprimé. D'autre part, les allégations comme quoi on pourrait rajouter des choses entre les couches du circuit impliqueraient qu'on pourrait subvertir le processus de lamination des circuits imprimés. Et si ça change l'activité du système, tous les dispositifs de test s'en rendraient compte. Notamment des tests qui vérifient qu'il n'y a pas de court-circuit, qui vérifient que tout ce qui est censé être connecté est électriquement connecté. Donc, ce serait assez difficile de modifier le process de production. Et ce serait assez difficile de le contenir parce qu'on ne sait pas quel est le client final qui va recevoir telle ou telle carte mère. Supermicro dit que pendant le processus d'assemblage, ils ont des employés tout le temps présents sur le site. Et d'ailleurs, j'ai visité les compagnies d'assemblage, j'ai discuté pendant mes vacances, et j'ai parlé avec des gens qui font ça sous contrat. Et eux aussi, ils disent qu'ils envoient leurs employés sur la chaîne de production pour observer les machines de pick and place, le reflow, et comment sont assemblés les composants. Et leur grosse inquiétude, c'est que s'il n'y a pas quelqu'un, les pièces qui sont mises dans la pick and place seraient remplacées soit par des contrefaçons, soit par des pièces recyclées.
j'ai visité un marché d'électronique où des gens dessoudent et trient les pièces et revendent les pièces dessoudées au kilo. Et si vous ajoutez un peu d'argent, ils les mettront sur des rails et du coup vous pouvez économiser quelques centimes sur votre process de production. Et une autre inquiétude qu'ont ces entreprises, c'est pas juste les pièces récupérées mais les contrefaçons. Spécialement pour les trucs qui coûtent plus de 3$ pièce. La communauté Arduino a été frappée il y a quelques années avec pas mal de chips contrefaits de chez FTDY où la construction interne était totalement différente. Dans ce cas, ça a causé des problèmes de fiabilité. Donc imaginez d'une perspective sécuritaire, c'est vraiment inquiétant que des pièces qui ont l'air identiques pourraient avoir une fonctionnalité totalement différente implémentée à l'intérieur. Supermicro a également mentionné qu'ils passaient leur carte mère au rayon X à la recherche d'anomalies. Et j'ai pas pu prendre de photos dans l'usine quand j'étais là-bas. Mais sur cette photo de Wikipédia, on peut clairement voir les composants actifs. On peut clairement voir que les composants actifs sont différents des composants passifs comme les capaciteurs ou les résistances. Donc, si un attaquant arrivait à subvertir la chaîne de production en mettant des composants malicieux, il pourrait être détecté à cette étape. Une autre chose intéressante, c'est que ces inducteurs dans des paquets en DIP, très communs sur les cartes réseau, et parfois des gens ont cru qu'ils avaient un implant matériel quand ils ont trouvé ce genre de choses dans leur jack Ethernet, mais on le voit assez clairement sur le rayon X, c'est des composants passifs. Donc, Sophia D'Antoine, elle aussi, a fait un teardown assez extensif de ses cartes mères, y compris analyse rayon X. Elle a trouvé des trucs bizarres, mais rien de malicieux, pas de pétard fumant. Donc, vous pouvez lire son blog post pour plus de détails. Elle a trouvé des trucs qui n'étaient pas censés être là, mais qui étaient en fait juste des composants de conditionnement du signal. Donc, dans l'aide de Supermicro, ils disent qu'ils font vraiment tout en sorte pour que le processus de fabrication et d'assemblage et de vérification sont correctement faits et qu'il serait difficile de circonvenir à leur sécurité d'une manière réaliste. Mais c'est pas seulement le seul endroit où ça se produit. On sait que les agences de sécurité nationale interceptent le matériel informatique et qu'ils ont leur TAO, les opérations d'accès sur mesure, où ils ouvrent les ordinateurs, ils installent des implants hardware, ils recèlent les emballages et ils les laissent continuer leur chemin jusqu'au destinataire. Et la NSA a un catalogue d'implants hardware, comme cet implant JTAG, des ports Ethernet avec des ordinateurs embarqués, ou des implants spécifiques au firmware pour le SMM de certains softwares, de certains serveurs. Et ils peuvent même faire de l'exfiltration à distance, en radiofréquence. Donc ces opérations d'accès sur mesure sont vraiment idéales pour ce type d'attaque. Ça permet de contenir l'exploit à un seul client, de dissimuler le fait qu'il soit là, et aussi de couvrir le fait de déterminer à quel moment les choses ont mal tourné. Donc si vous trouvez un truc bizarre dans votre ordinateur, vous avez tendance à penser que ça s'est passé à l'usine. Supermicro a également déclaré qu'il était techniquement implausible, hautement improbable, que du matériel modifié fonctionne correctement, qu'une tierce partie n'aurait pas la connaissance totale du design. Bon, je pense que c'est pas correct. Parce que, bon, on sait que la NSA le fait, et aussi parce que je l'ai fait. En réalité, la seule chose à savoir, c'est que c'est des composants assez communs. Cette flash,
On peut trouver le datasheet sur internet et voir exactement comment c'est câblé sur le système. Et la seule chose à savoir pour communiquer avec le BMC, c'est quel est le pin de sortie série de ce composant. Donc, la flash du BMC est connectée au CPU du BMC via la sortie série et elle passe via un résisteur en série, une résistance en série, et c'est là que je mettrai mon implant. Bon, le mien est un peu plus grand que cette résistance. Je l'ai posé sur la carte. C'est un petit FPGA qui pend sur le côté. Mais ce serait plausible de le mettre dans quelque chose de tout petit. En réalité, un ARM M0 moderne rentre dans l'espace de deux transistors d'un 6510 des années 80. La loi de Moore nous permet de mettre énormément de processeurs dans très très peu d'espace. Donc un résistor, une résistance 0603, on pourrait mettre un Cortex M0 à l'intérieur et ce CPU serait suffisamment puissant pour ce système. Mais le problème c'est qu'on a que deux pins et en général on en a besoin de 6. Et en plus on a ni alimentation ni terre, donc on doit passivement alimenter via le signal. On n'a pas le chip select, le signal de sélection de la puce. Donc on ne peut pas savoir à quel moment on parle au chip. On n'a pas le pin d'entrée série, donc on ne sait pas si on est en train d'envoyer des trucs ou de lire des adresses. Et on n'a pas d'horloge. Donc comment est-ce qu'on se synchronise à l'horloge? Ça, c'est à voir. Enfin, on n'a pas la possibilité de modifier la donnée arbitrairement. On peut juste déconnecter le pin, donc transformer un 1 en 0, mais pas un 0 en 1. Donc avec toutes ces limitations, on peut quand même faire des trucs assez intéressants. Retrouver l'horloge, c'est simple, on peut regarder les données qui passent et trouver la plus courte transition de bits entre 0101 ou 1010 pour estimer la vitesse d'horloge. Ce qui nous permet de reconstruire le flux de données. Et si on regarde à la flash, on peut voir que c'est plus ou moins du bruit aléatoire. Mais il y a des grandes parties qui sont toutes blanches, donc c'est tous des bits qui sont à 1. Donc si on regarde l'organisation de la flash, on peut voir qu'il y a le bootloader U-boot, donc c'est un exécutable. C'est un peu difficile de le modifier de manière utile. On a un noyau, on a le root file system qui sont tous les deux compressés. Du coup, ils ressemblent à du bruit aléatoire. Mais la mémoire non volatile est un système de fichiers JFFS2. Et ce système de fichiers fait 3 mégaoctets, est essentiellement vide. Et tout cet espace vide, c'est des FFFF, c'est tout des 1. Donc il y a beaucoup de 1. Et en plus, il a des jolis headers qu'on peut valider, donc on voit que le bitmask 1985, on sait à quel endroit on arrive à d'autres endroits du file system. Donc, sachant qu'on peut reconstruire l'horloge et déterminer où est-ce qu'on en est dans le file system, on peut commencer à injecter des nouvelles données là où on avait de l'espace libre. Donc, il y a un petit fichier qu'on a mis ici, qui est un petit script shell de configuration réseau. Donc je vais essayer une démo en live. J'espère que ça va fonctionner. Donc on fait ça sous QEMU parce que j'ai pas ramené de carte super micro. Sur la gauche, on voit la console de la flash, donc la console de l'implant hardware. Et sur la droite, on voit la console série du BMC. Donc on peut voir que le noyau est chargé. Dans une seconde, on devrait avoir du trafic. Donc l'implant est actif, il a remplacé des données. Quand on a monté le file system NVRAM, donc le BMC continue sa configuration.
Il charge des drivers de périphériques pour la vidéo. Là, je sais pas trop pourquoi, mais il fait une pause. Bon, c'est pas mon job de savoir pourquoi. Et au bout d'un moment, ça va configurer les réseaux. Et ça fait ça en lançant ce script shell depuis la partition de la NVRAM. Donc, les histoires de KVM, ça démarre des trucs et hop! Ok, donc on n'a pas eu à faire un fake, la démo a marché. Donc, sur le matériel, c'est pas très très fiable, mais ça fait jamais crasher la machine. Et du coup, c'est bien, ça nous permet de camoufler l'activité, on peut pas vraiment savoir quelle machine est infectée. Donc c'est pas très 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 fiable, mais bon, 2 sur 3. Si on va un peu plus loin dans le boot, ça nous affiche un message, et si on appuie sur Enter, bah on a un accès shell et on a un accès root sans mot de passe sur le BMC. Et ça, c'est beaucoup plus simple que s'amuser avec le bus spy. Donc, je sais pas où est le port série sur le super macro, mais sur une autre carte mère de serveur, j'ai pu programmer un oscilloscope et trouver où était la console série du BMC. Et c'est le même code, on appuie sur Enter et on peut lancer des commandes en route. Donc c'est une manière beaucoup plus simple de faire. Donc une grosse question que les gens ont, c'est on fait comment pour détecter ce genre d'implant? Donc il y a beaucoup d'endroits qui ont besoin d'un niveau d'assurance élevé qui remplace les ROM. Mais ça ne protège pas de l'implant parce que l'implant n'est pas dans la ROM. Donc si on lit la ROM, on ne voit rien de bizarre parce que ce n'est pas dans la ROM, c'est en dehors. Même en branchant un analyseur logique au bus et en regardant ce qui se passe pendant le boot de la machine, au niveau de la flash, ça ne nous permettrait pas de détecter l'implant parce qu'il faudrait qu'on mette les probes directement sur les contacts BGA. Donc sous le chip, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des gens qui pensent qu'on pourrait détecter du trafic bizarre sur le réseau quand il y a des tentatives d'exfiltration de données. Mais c'est qu'une manière d'affecter les choses, exfiltrer la donnée. Il y a un talk intéressant à la DEFCON 23. Ils expliquent comment un implant permet de backdoorer un hyperviseur. Et du coup, la machine virtuelle d'un attaquant peut accéder, ce qui tourne dans les autres VM, accéder à la mémoire des autres VM. Donc, le gros problème, c'est que le BMC est beaucoup trop privilégié. Il est connecté à peu près tout dans le système. Mais c'est pas la seule source d'inquiétude. Comme a dit White Quark, nos PC sont juste quelques périphériques embarqués dans un joli manteau. Et une bonne partie des chips sur votre carte mère ont du firmware. Et peut-être sur les supermicros, même les résistances ont un firmware. J'ai trouvé des firmware dans les alimentations sur lesquelles on pourrait trouver de l'exécution de code. Mais ça explique la complexité des systèmes actuels. Et c'est pas des attaques à $1 million, c'est du hardware à $5 qui devrait vous inquiéter. J'aime beaucoup les notes du NIST parce qu'elles nous permettent de penser à nos systèmes de manière davantage holistique. Ils intègrent un peu tout dans le TPM. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse davantage dans notre communauté pour utiliser davantage le TPM. Mais les TPM sont eux-mêmes sujets à leur propre implant matériel. Le TPM Jenny permet de subvertir la racine de confiance matérielle du TPM.
Donc il y a d'autres personnes qui proposent qu'on bouge sur d'autres architectures de sécurité, comme SGX ou TrustZone. Mais c'est compliqué pour le cloud. Il y a des innovations actuellement chez Google, sur Google Titan, qui est utilisé sur leur serveur, puis maintenant sur les Chromebooks. Microsoft a son chip Cerberus sur le système Azure. Et ils ont publié leur firmware et le design de leurs SDK, donc les gens peuvent voir comment ça fonctionne. D'autres entreprises comme Apple ont aussi fait des choses, avec le T2 par exemple, qui est une puce vraiment merveilleuse pour sécuriser, mais au détriment de la liberté des utilisateurs. Et du coup, la bonne façon de résoudre ces problèmes, c'est de ne plus avoir de secrets. Donc, à la différence de ce qu'a dit le patron de Supermicro, c'est pas le fait d'avoir audité le design de la motherboard qui la rend mieux sécurisée. Quand on achète un design ouvert de serveur, il y a tous les schémas, il y a tous les Gerber, et c'est censé motiver les acheteurs pour être confiant que tout est en ordre, tout est au bon endroit. Donc mon collègue sur le projet Linux Boot pense que utiliser Linux comme firmware nous permettrait de faire un pas en avant vers des systèmes plus sécurisés et plus résilients. Et du coup, on a un spin-off de Linux Boot qui est MicroBMC, qui utilise les outils de Linux Boot pour compiler un firmware de BMC. C'est des builds reproductives, ça peut fonctionner avec des attestations. C'est écrit dans des langages memory safe, comme Go. Et on a jeté toutes les vieilles fonctionnalités qui sont la source de bon nombre de vulnérabilités de sécurité. Bon, est-ce que ça s'est passé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est techniquement possible? Je pense. J'espère que vous avez compris que c'était une possibilité technique qui devait garder notre attention. Et je pense que dans l'avenir, il faudra avoir davantage de racines de sécurité hardware, d'attestation à distance et de possibilités de savoir que le code qu'on a construit, qu'on exécute, on le comprend et que s'il y a un implant hardware, on peut reprendre le contrôle dessus. Donc si ça vous intéresse d'en discuter, également discuter de firmware open source, il y a une assemblée avec notamment des contributeurs Coreboot et vous pouvez venir nous aider, contribuer et mettre la pression sur les fabricants pour qu'à l'avenir on ait des standards pour une informatique plus sûre. Merci beaucoup d'être venu et j'étais très content de vous montrer sur la scène mon exploit. Great talk, thank you very much, Tramel. We have 10 minutes for questions, so... On a 10 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, allez-y au microphone pour les poser. Microphone numéro 3. Bon, ma question c'est quoi votre opinion sur le OpenPBC based Taylor systems? Donc c'est la question sur les systèmes Talos Power9. Power9 est une architecture vraiment intéressante. Ça utilise un firmware ouvert qui s'appelle Pettyboot, qui est similaire à Linux Boot. Je suis fan, il y a plein de gens dans la communauté qui sont assez excités là-dessus. J'espère qu'il y aura davantage de systèmes Power9 qui vont sortir à l'avenir. Et par ailleurs, le RISC-V, c'est aussi intéressant.
je pense qu'avoir des processeurs open source, c'est vraiment un moyen de renforcer notre assurance que nos systèmes sont bel et bien ce qu'on pense qu'ils sont. Merci, microphone numéro 2. Merci pour votre conférence. Est-ce que vous avez une scope rope sur le résistor? Donc, une question technique pour savoir si on peut mesurer une déviation de la tension si on mesure. Si on peut savoir s'il y a un implant ou si c'est juste une résistance en mesurant le courant entre le BMC et la flash. Et aussi le fait qu'on peut pas potentiellement... Enfin... La question, c'est est-ce qu'on peut alimenter différemment le système pour avoir davantage de puissance électrique? Est-ce que c'est possible de faire davantage de modifications arbitraires? Donc si on a seulement deux pattes, l'avantage, c'est qu'il y a une seule pièce à remplacer sur la carte mère, ça prend quelques secondes. S'il y a plus de pattes sur le composant, alors oui, on peut avoir plus de puissance électrique, on peut faire des choses plus intéressantes, mais c'est davantage de changements à faire au niveau de la carte mère. Beaucoup des arguments sont que les attaques ne sont pas faisables parce que vous devrez changer le etching dans le FEP. Mais à quel point c'est probable que quelqu'un va anticiper les fichiers qui sont envoyés au fabricant? Et après, si vous faites l'inspection optique, c'est pas visible là-bas. Donc est-ce que ce serait possible pour quelqu'un de modifier tous les fichiers qui sont envoyés à l'usine? C'est une possibilité, mais c'est aussi très probable que ce serait détecté par Supermicro. Dans de nombreux cas, vous n'avez pas envie de faire confiance à votre fabricant pour le tester. Vous voudriez avoir un testeur indépendant, une autre entreprise, pour tester, vérifier, valider que les cartes mères sont bel et bien produites selon vos spécifications. Donc oui, c'est certainement possible. J'ai pas envie de spéculer sur cette partie de l'histoire. Mais ça nécessiterait davantage de modifications. Et ça pourrait être aisément détecté lors du spot check. Donc quand on vérifie tout. Beaucoup des cartes mères. Il y a beaucoup quelques composants qui sont pas populés. Surtout les Est-ce que ce serait pas facile de juste mettre quelque chose là-bas sur les composants qui sont pas populés? Et c'est impossible de détecter ça parce que le board lui-même, il n'est pas changé, la fonctionnalité n'est pas changée. Donc Supermicro a mis beaucoup de contacts supplémentaires sur sa carte mère, sur celle-là en particulier. Ils ont des chips de flash pour du 8 pin et pour du 16 pin qui sont en parallèle. Donc en gros, en fonction du chip le moins cher au moment où ils font la board, ils vont mettre l'un ou l'autre. Donc c'est pour ça que quand on a la position de ce cercle sur ce schéma, au niveau du pin de sortie de données, c'est assez intéressant quand même. Est-ce que ça répond à la question? Donc, dans quelle mesure signer le firmware peut régler ce problème? Ça résout beaucoup de problèmes, mais
Mais typiquement, c'est pas la totalité du firmware qui est signée. Donc, en général, U-Boot va être signé dans un BMC moderne. Le noyau et potentiellement le file system root. Mais le file system NVRAM est prévu pour être modifié par l'utilisateur. Donc il ne peut pas être signé par le fabricant. Donc ce genre d'attaque fonctionnerait contre un BMC signé de la même manière. Et de plus, appuyer sur Enter pour obtenir une console série, c'est une attaque qui fonctionne indépendamment de la signature. Sur x86, on a des technologies comme Bootguard qui font en sorte qu'il soit plus difficile d'avoir de l'exécution de code pendant le processus de boot. Mais on a déjà vu beaucoup d'instances où c'était implémenté de manière assez mauvaise. Et donc, malgré ces protections, il y a des gens qui ont réussi à obtenir l'exécution de code au démarrage. Merci, Trevor Hudson. Et beaucoup d'applaudissements pour la conférence.